Pas de petites économies en ces temps de crise. Pour preuve, l'embellie du marché de l'occasion. La clientèle s'est élargie. Tout le monde ou presque revend ou achète en seconde main. Exemple dans deux enseignes basées à Lyon de Virginie Fichet et de Jean-Claude Martin. Alexandre est étudiant au budget serré. Aujourd'hui, dans ce magasin spécialisé dans l'occasion, il ne vient pas acheter, mais vendre. Nous, sur ce produit, on sera à 200. À 200 ? Ouais. On pourrait remonter un peu plus. Ici, aucun délai. Le paiement s'effectue au dépôt de l'objet. Après quelques minutes de négociation, Alexandre et son acheteur trouvent un accord. On va faire un effort, on pourrait aller à 250. Bon, c'était pas ce que j'attendais complètement, mais ça va, c'est satisfaisant. Un peu de liquidité, quoi. En à peine un an, cette boutique a augmenté son chiffre d'affaires de 12%. Son concept, qui parie sur la simplicité et la rapidité des transactions, attire de plus en plus. J'ai effectivement une nouvelle clientèle un petit peu plus aisée qui va nous vendre des produits qu'ils pouvaient donner auparavant. Maintenant, ils préfèrent les vendre.